Salut YouTube, c'est King89 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment brancher sa manette à son PC facilement. Je ne parle pas des manettes qui sont noires, qui viennent directement avec la Xbox. Il faut plutôt les acheter près de chez vous, comme au Walmart. Donc, sur ça, avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous demander si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne, car pour l'instant, j'ai seulement 2 abonnés. Et pas beaucoup de vues, seulement 16 vues. Et vous pouvez aussi aller consulter mes autres vidéos comme comment changer le curseur de son PC ou comment filmer son écran de PC via Mac ou Windows. Bon, on va commencer la vidéo. Je vais vous montrer si vous avez Windows 10, comment télécharger Asphalt Airborne 8. Vous allez dans la barre de recherche et chercher Asphalt 8 ou Airborne 8. Il va être écrit ici télécharger ou installer. Vous allez tout faire ce qu'il vous demande. Ensuite, vous allez appuyer sur ouvrir. Une fois que ceci est fait, ça vous amène sur le menu. Attendez, désolé pour le son, je vais le couper. Bon, juste pour vous dire que moi j'ai hacké mon Asphalt avec Cheat Engine. J'ai beaucoup d'argent illimité ici comme vous pouvez le voir. Donc voici ma voiture. En fait j'en ai plusieurs. Je vais vous faire visiter mes voitures. J'ai celle-ci. Bref, je vais faire une vidéo avec mes voitures. C'est pas ça l'important, c'est juste pour vous montrer comment brancher votre PC, votre manette PC à votre PC. Premièrement, il va vous falloir un câble qui vient avec ou qui est directement lié à la manette que vous pouvez acheter proche de chez vous dans des magasins électroniques ou Walmart ou je sais pas, Canadian Tire, mais bon. Une fois que vous avez branché la manette, il va être écrit ici manette connectée, donc la preuve que la manette fonctionne bien. Et une autre preuve, c'est que quand vous appuyez sur le bouton du menu, pour aller exemple à l'accueil guide, vous allez voir ceci. Ça, c'est seulement avec Windows 10 que ça va apparaître. Vous pouvez faire des captures d'écran, aller directement sur l'application Xbox, ou sinon faire enregistrer son PC via l'application Xbox. Et vous pouvez aller sur les paramètres setting pour faire paramétrage. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un max de j'aime et surtout de commenter la vidéo. Je ferai une FAQ prochainement dans une de mes vidéos pour vous montrer, pour répondre en fait à vos questions. Bon, je vais jouer pour vous montrer en fait la preuve que ça, le jeu fonctionne bien, c'est un vrai jeu même si c'est hacké. Ça risque d'être un peu lent à cause que, comme vous savez, j'enregistre en même temps de jouer. Donc ça fait des petits bugs, mais c'est pas un problème. Je vous promets que si vous n'enregistrez pas, ça ne buggera pas. Donc on fait suivant. Notre micro pendant la game. Et on va lancer le jeu, en fait, la course. Donc je vais mettre des images, des manettes, à quoi ça ressemble, une manette qui est directement liée à son câble du PC. Et bien, je commence la course. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un max de j'aime et de commenter. Comme vous pouvez le voir, ça l'a fait, sinon ça ne l'a jamais fait. Aussi mettre appuyer sur start, paramètres, options, vous allez sur son affichage, vous pouvez aller sur immersif ici, vous allez voir ce que ça va vous donner. C'est très cool en fait, comme si c'était vous qui faisiez. Donc si vous avez eu votre feuille, vous avez la vidéo,
Non, je viens de le faire. Si en commentaire n'oubliez pas de des idées de vidéos, sinon si je continue à écrire avec bloc notes, je vous parle directement parce que ma voix n'est pas une voix de youtubeur en fait, pas de français. Un petit défi, mais si j'ai au moins 20 likes ou même 10 abonnés, je vais faire la vidéo comment craquer ma page, comment déclencher ma la vidéo sur la vidéo. Bon, c'est tout pour cette vidéo et on se dit.